Urgent, urgent. Un prisonnier s'est évadé de la Maca ce mardi 28 mars. Toute l'armée est à sa recherche. Même l'évasion de Pablo Escobar n'a pas suscité autant de remous. Waouh. Il est vêtu de blanc et a même tué 23 personnes. Merde. Tu lis le journal? Ça veut dire que la poule peut avoir des dents. Tu l'as ramassé, hein? Je l'ai acheté. Bon, fais-moi le fier. Dis, je l'ai acheté avec ton argent, papa. Avec quoi? Tu parles de quoi, là? Parce que tu fabriques de l'argent, c'est ça? Ça veut dire quoi? Écoute, papa. L'argent que tu gagnes, c'est l'État qui te paye. Bah ouais, c'est normal, parce que je travaille. Tu parles de quel travail, là? Aller au travail à 11h du matin, revenir à 15h, c'est ça, tu appelles travail? Hein? Écoute, dans l'administration publique, seule la machine à café travaille les 8h du temps. T'exagères pas avec tes idées aussi, toi. Et puis, même si l'État te paye, l'État tire ses ressources là où? Chez un contribuable, et c'est moi qui... Et c'est toi le contribuable? Ouais. Ah, fiston, franchement, heureusement que c'est là seulement que tu balances ça. Imagine qu'il y avait des invités, ou que ce soit dehors. Mais tu mets la honte sur moi. Un contribuable, toi. Un contribuable, c'est quelqu'un qui a une activité ponctuelle. C'est quelqu'un qui régénère des ressources dont va se servir l'État pour faire des routes, pour faire des hôpitaux publics, pour faire des écoles publiques, pour payer les policiers pour qu'ils arrêtent de nous racketter. Toi, t'es peut-être un contribuable du Bangladesh, du Pakistan, peut-être d'Abobo. De toutes les façons, ce récit charabiatique n'est pas plus important que l'information concernant le prisonnier qui s'est évadé. Tous les jours, un prisonnier s'évade. Et j'ai mon bureau qui a plein de dossiers que j'ai pas fini de traiter, là. Ah, papa. J'ai bien peur que ce prisonnier fasse partie de l'arbre généalogique. Écoute, on a tes segments sur ma table. Je l'ai acheté cher, ça. Ah! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu un génie, hein? Il fait quoi, là? Il fait quoi, là? Et qu'est-ce qui n'est pas ici? Hein? Écoute, je t'avais dit. Je t'avais dit qu'un prisonnier s'était évadé, mais tu ne m'as pas cru. Hein? C'est toi qui l'as fait venir, Tony. Ah, c'est pas bien de prendre les informations à la légère, papa. C'est toi qui l'as fait venir! Ah. Sonny! C'est comme ça à l'accueil, papa? Toi, t'es pas mon père. Ah bon? T'es pas mon père. Ah bon? Non. À qui appartient le sang qui coule dans tes veines? Hum? Dis-moi. À qui appartient cette barbe blanche? Non, tu n'es pas mon père. Tu as arrêté d'être mon père depuis longtemps. Tu es un prisonnier, un assassin, un criminel. Ta place est en prison. D'ailleurs, j'appelle la police. Monsieur, non. Ce monsieur-là ne bougera pas d'ici. Ce monsieur, c'est mon grand-père et sa place est ici. Où? Ici? Dans ma maison? Oui. Mais c'est moi qui paye la maison. Et moi, je vais te tuer. Je suis capable de te tuer. D'ailleurs, c'est moi qui t'ai donné la vie. J'ai le droit de reprendre ce qui m'appartient. On va s'énerver. On va s'énerver. On peut s'entendre. Papa!